bats les couilles, on passe avec tout le monde. Les Belges, on est en direct du Havre ou de Troyes. Donc c'est Troyes, c'est totalement Troyes. On est en direct de Troyes, on est au village de Marc. On va chacun faire un cadeau à un autre membre de l'équipe. Michael, chapeau s'il te plaît. Dedans il y a un papier qui vient de tomber. On va tous tirer le nom de quelqu'un, sauf Chasseur, parce qu'il doit se faire pardonner auprès de Nabi. Du coup il va faire un cadeau à Nabi d'office. C'est parti. Qui commence à tirer? Attends, il y en a beaucoup qu'on a oublié de dire. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas à 1, on n'est pas à 2, on est à 3. Ça court, rigole, s'il te plaît, derrière. Merci. Et on est 8, on n'est pas à 7. Hein? Hein? C'est pas ça la blague. Vrai père, Elsie. Vrai père, oui. Pierre feuille un coup. Viens ici, viens ici. Pierre feuille un coup, Pierre feuille un coup. Pierre feuille un coup, ça, Pierre feuille un coup. Comment ça, Pierre feuille un coup? 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3. Ouais, je suis rentré. Il est long. Disqualifié. Il a perdu. Il a perdu. Il joue. C'est bon? C'est bon. Pioche! Montre à la caméra en premier. J'ai Elsie. Elsie, viens là. Je vais lui acheter du Nike. On n'est pas fait le tour des magasins. Putain, Mike. Montre à la caméra. Montre à la caméra. Shendé. C'est grave mon gars, on se moque. Eh, t'inquiète, t'inquiète. Piouet. Piouet. Salut mon BG. Ya. Ça m'a piouet, pioche. Mais y'a qu'un papier. Bah attendez, suspense. Que ce mot? Bah, c'est vrai, ça, personne va tirer Chasseur. Il mérite pas de cadeau. Eh vas-y, Chasseur il va acheter deux cadeaux. Un cadeau à Nabi pour se faire pardonner et un cadeau à Monroe. Monroe achète à Chasseur. Serre la main, mais tu l'as mis avant. Bouge la chape, BG. Ouais, je bouge la chape. C'est bon? On est dans un village de marque. Ça veut dire 100 euros max la pièce. On doit acheter un truc. Un truc. 100 euros max. 1, 2, 3, ya! Pour Elsie, mon frérot, c'est pour Watt celle-là. Nabi, j'ai ruiné ta vie, mon pote. On sort de chez Levis, frère, il y avait des jeans à 10 balles. 10 balles, frère. Si tu prenais 3 pièces, genre la troisième pièce, elle était à 1 euro. Ça veut dire que Sean, il a pris un complet plus une veste. Moi, j'ai pris un jean, 10 balles. Moi, c'est d'art. 10 balles pour un jean Levis, c'est cool. Hein. Salut. Ça va? Il y a des complets. Des complets Lacoste? Lacoste, ils sont bien. J'aime bien Lacoste. Ouais, uni. Pour ça péter. Non, moi, j'aime bien ça. J'aime bien. C'est pour traîner le dimanche. J'ai envie de t'acheter un truc que tu vas porter tous les jours. De chaussettes, gros. T'en foires pas alors. Je suis capable de porter tous les jours. Tu sais. Salut, Sakou. Tu dois acheter pour qui, toi? Moi, je dois acheter pour Chasseur. J'attends qu'on arrive chez Car directement. Ça va être très très doux, je pense, pour lui. C'est nul, là, je trouve que le footwear est pas mal en chez eux quand même. Arrête ça. Avec des complets, tu sais, unis, un masque. Comme un complet, c'est deux pièces. Non, on n'entend pas ce que tu dis. Un complet, c'est une pièce. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont sur le même cintre. Donc c'est la même, c'est une pièce, frère. Non, mais attends, excuse-moi, là, mais là, on va laisser passer ça, là. T'aimes bien, fiston? Vas-y, qu'est-ce qui t'achète, papa? Dis-moi. Il a commencé à me manquer de respect. Qu'est-ce qui t'achète, papa? Fais-toi plaisir, fiston. Papa, si tu vois cette vidéo. C'est la rentrée en septembre. C'est ce que je veux dire. Moi, les clés de la voiture, j'ai acheté pas d'autre que ce mot. Quel autre que ce mot? En scrap? Ouais, c'est bon, je vais mettre dans la voiture direct. J'ai acheté un couplet à la coste, je faisais semblant depuis tout à l'heure. Ah ouais? Depuis tout à l'heure. Salut. Eh, dis rien. Francis, il m'a fait une vraie passe, là. En gros, depuis, tu vois, il veut une paire d'Adidas. Et c'est cette paire. Ah, du coup, c'est pas toi qui l'as trouvé, hein. Ouais, mais on est dans une équipe. Il y a une question à poser à Elsie, là. Est-ce qu'on a droit d'acheter une paire d'Adidas à un gars de la team Nike? Non, on pourrait pas. La paire, elle est stylée, non? Ouais, mais c'est un gars de la team Nike. Ah, après, c'est lui. Peut-être c'est une ouverture vers un transfert qui peut se faire. J'ai demandé aux autres. Ouais, là, il y a des petites dingueries. Elsie avait déjà annoncé le il y a du Pharrell Williams, voilà, collaboration Adidas Pharrell Williams en promotion. Malheureusement, non, ce modèle-là n'y est pas en 43. Il y a un 44 sur ce modèle-là en gris. Il y a des très bons plans. Collab Human Made, hein. Collab Human Made. Si vous avez vu l'unboxing, on avait un peu prévu que ça se passe comme ça. Que ce moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut acheter une paire d'Adidas à un gars de la team Nike? Pour moi, oui. Ils défendent Nike, mais qu'est-ce qui les empêche d'acheter du Adidas? Bah, il y a un truc, c'est qu'on est chez Adidas et que Monroe me colle au basket, c'est-à-dire que je peux pas lui acheter un cadeau. Et normalement, c'est ici que je devrais acheter un cadeau. Et Sean, il m'a dit qu'il avait peut-être un. J'avais pas du tout pensé à Monroe. Je voulais l'acheter. Pour Rome, ça colle à Monroe de ouf. Oh, velours comme ça? Wesh. La veste, elle va à Monroe de ouf et elle tape. Ah, velours, elle est d'art. Je pensais que c'était un ensemble normal, mais non. 60 euros. Ouais, ouais, pourquoi pas. En vrai, il met jamais de complet, Monroe. Ça veut dire, il met toujours un haut avec un autre pantalon. Bah, c'est bon, là. J'ai gagné. Merci à Sean. Voilà, c'est Sean qui a trouvé le cadeau pour Monroe. On est ensemble. C'est Monroe qui a trouvé le cadeau de Pi, ouais. Voilà. Ce qui se passe, c'est magnifique. Je vous pose une question. J'ai le cadeau pour Pi, mais c'est une paire d'Adidas. Est-ce qu'on peut acheter une paire d'Adidas à un gars de la Team Nike? Oh, normalement, techniquement, un cadeau, tu peux lui offrir n'importe quoi. Je vois que c'est un modèle qui kiffait en plus. Vas-y, achète. Absolument 17,90€. Voilà, c'est pas perdu, il fera du foot avec. Ça me fait douter maintenant. Est-ce qu'en allant chez Nike, je vais pas lui acheter un meilleur cadeau? Un meilleur prix, je sais pas. On l'avait dit.
dit, la daronne en ultra boost. Et rien d'autre. Ah bah derrière, ma daronne m'appelle. Allô maman ? Ouais, je t'entends tranquille. Ouais, juste pour te dire que t'as acheté une paire. Regardez chasseur comment il est. On lui dit rattrape-toi pour Nabi, faut que tu lui achètes un nouveau truc. Regardez ce qu'il a fait. Regarde, moi et Nabi, on a une histoire commune qui remonte à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je me suis dit ouais, je sais pas si vous rappelez, mais en finale, il y a eu Sénégal contre Algérie. Et du coup, bah au final c'était l'Algérie qui avait gagné, tu vois. Et moi là j'ai vu ce t-shirt là à 14 euros. Mais ce serait peut-être une bonne idée, tu vois. 14 euros mon ref. 14 euros mon ref, c'est une bonne affaire. Tu dois faire plaisir aux gens. C'est un bête de t-shirt. 14 euros, tu trouveras pas meilleur à faire. Et je suis algérien et breton, effectivement, voilà, vous êtes bien renseignés. En fait, à l'aller, on avait un magasin avec tout plein d'enseignes. Il y avait Pepe Jeans, Armani Jeans, Levi's. Supreme. Supreme, à 3. Du coup, il prend une taille, mon frère, sur donc, le. Donc, il y a un Supreme Store à 3. On n'était pas au courant, mon frérot. Regarde, regarde, regarde. Juste derrière. Un bel imprimé avec du scotch au milieu. Et il y a déjà un box le Gauthier, là, juste là. C'est plus un. C'est un boîte, non pas le. Oh la sourcil, la sourcil, la sourcil, la sourcil, la sourcil. Wesh coach, mets en quoi? J'ai dit, soyez dans la raison en termes de quantité. Ok, ça marche. Non, mais on va quand même faire une pesée. Non, bon, moi je mange pas. Non, pas. Arrêtez, cousin. Mangez. Vas-y, ouais, vas-y. Y a pesée ou pas? Merci, coach. Vas-y, bonne journée. Vas-y, bonne journée, coach. Carte. Tu dois m'acheter un cadeau déjà. Je sais bien quoi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bien. Là, je pense qu'on est dans la très bonne zone. Je pense aussi. C'est là, carte, là, il y a un bête de Supreme Grip encore. Oh non. C'est un cadeau. Je pense que ça va être la razzia. Il y a un pantalon, faut que je le trouve. Faut que je trouve un cadeau pour chasseur. C'est sa marque favorite. Je vais essayer de trouver une pièce d'art pour lui. Je me dis, il dead ça en salopette. Je pense que ça peut être un bon bac. Mais là, il y a les deux cadeaux dedans. Faut pas que tu dises. Mais en gros, il va croire que c'est pour Wam, tu vois ce qu'il veut dire. Et en fait. Non. J'ai un truc pour Sean là. En vrai, j'ai envie de lui prendre une veste. Lui, il kiffe les vestes. À la base, j'avais repéré celle-là. Parce que j'ai vu la théma tout à l'heure. Tu vois, en mode, j'aime bien ça, tu vois. J'ai le seum parce qu'en fait, j'avais trouvé un pantalon pour Mike et je crois que je me suis fait soulever. Je voulais lui prendre ça et en plus, il y a la veste qui est là. Ah non, c'est bon, je la prends. Viendez, ma bande. Il y a le pantalon là. Gros, il est dedans, hein, tu vois. Il y a la veste ici. Riche, moi. Je prends le complet. Que ce mot, il a dit au bas, c'est la même chose, c'est une pièce. La veste va parfaitement avec le pantalon. Prends les deux. 119 euros, cette veste incroyable. Veste technique un peu là. C'est 131. 131, mon ref. Une tricherie pour 30 euros. Et tu vas refaire, Mike. Sérieusement. Tu vas pas le faire là? J'ai dit bon week-end à la caissière, on est mercredi. On dirait grave, on est en week-end, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois mal avec ce rôle. Là. Non, que ce mot, il peut changer la donne, tu vois. Ça pour Mike. Mais ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Mais là, n'est pas la question. Bien sûr, il porterait ça. Bien sûr, on l'a dit. Bon, j'ai trouvé. Moi, je suis plus dans ce délire là. J'ai envie de. En plus, elle a un petit truc en plus par rapport à l'autre qui est un peu plus simple. Et il y a ce délire là. Et je pense que c'est moins Sean. Et donc, du coup, je pense que ça va jouer entre les deux. Je vais l'essayer pour voir un petit peu. Sean, il est un peu plus carré que moi au niveau des épaules. Donc, s'il est un peu trop grande pour moi, je pense que ça devrait lui aller au calme. C'est parti, mon kick. Trop grande. C'est bien pour ça. Lui, je pense que c'est bon. Elle pourra contenir ses grosses épaules. Il est balèze. Je pense qu'elle est d'art et je pense qu'il va kiffer de ouf. Du coup, j'ai fait mon petit achat pour Mike. Et tu vois, c'est satisfaisant en fait quand tu fais un achat, que tu fais un bon achat. Et en plus, quand tu sais que tu l'as fait honnêtement, franchement, je suis super satisfait. Je pense que Mike il va être hyper content. Est-ce que ce mot, tu fais quoi là, moi? Là, je suis en train de cacher. Il y a Sean, il est juste là. J'ai pas envie qu'il voit ce que je lui achète, frère. Ah, faites-le sortir là-dessus, mets ton grand corps devant, chasseur. Bien ça. Je dois acheter le cadeau de Pi. Je vais au moins te laisser le choix de choisir entre les objets que tu préfères là-bas. Il y a des accessoires comme dans le vrai Supreme ou quoi? Je sais. Hein. Ah, il y a Monroe. Qu'est-ce qu'il a pas vu ce que je vais acheter? Il me dit, tu peux m'acheter ça. Il sait pas encore que j'ai acheté un truc chez Lacoste en secret. D'ailleurs, je suis con. Que j'ai dépassé le budget. C'était 100 euros max. Ouais. T'as acheté 109. 105. Ah, j'aime bien cette paire là. 47 un tiers. C'est balèze, non? Huge. Ah, gros. C'est-à-dire, même moi. Ah, quoique. C'est des Human Race, ouais. Collaboration avec Pharrell, tu vois, où tu connais. Hein. Attends. Donc là, je vais acheter ça, c'est ça qui se passe? C'est le moment de tester. Juste 30 euros, tu vois, c'est donné. En vrai, c'est donné. Si jamais ça ne va pas, vous en êtes témoin, je donnerai à Sakou parce que Sakou veut la paire. Je montre Sakou. Il me merde! Non, je vais me le faire, lui. Fais pas des offrandes. Il allait tricher, frère. Il allait tricher, la tête de Wam. Heureusement, j'étais là. On va manger les burgers, on va se poser et chacun va donner les cadeaux à chacun. Et on va voir qui est qui, maintenant. Il allait tricher, lui. On va voir qui connaît qui, même, je dirais. Qui connaît qui? On va voir qui connaît qui, frère. Qui connaît qui? On va voir qui connaît qui, frère. Moi, je sais très bien, moi. Il y a pas de. Okay. C'est la première fois qu'on le voit en vrai. C'est un BG avec qui on joue à beaucoup FIFA. De matchs. Venez, on va chez Ralph Lauren, non? Vas-y, allons-y. Je pense que j'ai un bon bail pour Elsie. C'est quoi ça? Je pense que c'est pour Elsie. Elsie? C'est un caleçon rouge. Elsie, frère. On continue de chercher? C'est plus pour chasseur pour aller au sport. Intéressant. Eh bâtard, Queuse, reviens, Queuse. La boutique Reebok était juste ici. Regarde ce qu'il y a marqué.
Ouais, bon, c'est bon, Reebok, c'est fermé, ça va. J'achèterai pas de Club C, c'est pas grave. Y'a un outlet à Reebok là ? Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je veux aller ! Outlet à Reebok ! Ouais, on a dit que t'arrêtais les bonbons. Quand est-ce que j'ai dit ça ? Alors là, on était chez Reebok. Oh là là, y'avait tous les bonbons du monde, y'a un rayon avec tous les bonbons qui piquent. Et je n'ai rien acheté. Félicitations. C'est à vous, madame, bonne journée. Et moi, je vous laisse le tel. Oh, coach ! Eh, coach ! Ah, moi je vais pas manger. A few moments later. Ouais, mais moi, Nutella, non. Ah, bah, alhamdoulé, c'est bon alors. Je suis un gros lard, frère. Y'a le Nutella, frérot. Y'a trop de Nutella. On va aller chercher. Ouais, t'es bien renseigné, ouais. Wow. En vrai, j'ai jamais acheté de Lacoste parce que c'est trop cher, frère. Donc les seuls Lacoste que j'ai eu, c'est ceux de mes cousins, frère. C'était des vrais. Et après, je prenais les survêtes du marché. Moi, je connais un peu les origines de Cusmo. Source, t'inquiète. Là, en gros, la paire, elle a 65 euros moins 50%. Air Max 98. Pas une mauvaise paire. Retail, c'est 180 euros, je crois. Voire 190, 200, c'est ça, non ? Oh ! Eh, franchement, faire les magasins, c'est cool, tu vois. Mais ça fait mal aux jambes. C'est peut-être pire que le sport. Alors là, c'est Secret Story, genre, on fait les débriefs. C'est pareil, genre. Et maintenant, on va au resto, on va s'offrir les cadeaux, tout ça là. Elle-ci, il a triché, j'espère que vous allez bien noter. Il a triché aujourd'hui, frérot. J'étais à la source de l'idée, je défendrai totalement ici. Il y a un BG qui s'appelle Adrien qui nous a proposé sur Twitter le restaurant Rosa Park. Restaurant avec des spécialités burger, frites, cheddar, tout ce qu'on adore. Du coup, nous sommes en route pour aller au Rosa Park et nous exploser le bide. La journée était lourde, non? Les magasins étaient pas forcément stylés. Le truc, t'as triché, frérot. Bref, là, on est au restaurant, on va s'échanger les cadeaux et vous allez voir. C'est encore moi qui ai fait le meilleur cadeau. Il a triché, frère, il a triché. Moi, je veux bien commencer, moi. Franchement, je me suis pas trompé. Tiens, mon gars. Ouvre le bip par là, je le check, là, c'est bon. Eh, cette vidéo, ouais, on travaille, on sauve des cadeaux, je vais jamais. J'ai jamais mort. Ouais. C'est bon, tu m'as vu sur Twitter. C'est bon, tu m'as vu. Il a même pas ouvert. Mais bien sûr. Oui. Bien sûr. Bonne taille, lui. Bonne taille. Ah, ouais. Doublé pour les verres et pour les verres. En vrai, c'est vraiment les vestes trop chères que j'achète jamais. Eh, frère, tu m'as fait un. Aïe. Ça c'est. Je mange Gucci là. Ah, j'avais rien trouvé. Salut mon pote. Je me suis faufilé pendant un moment. T'as même pas vu, frère. Le premier tricheur de l'histoire arrive. C'était à 105 euros. Franchement, j'ai pas besoin de regarder. Attends, du coup. Regarde. C'est mon premier vrai Lacoste que je vais avoir. Il va le poncer tous les jours. Ouais, regardez bien. Ça, c'est parfait, mon gars. On va tourner une vidéo là dans pas longtemps. Faut que tu portes ça, frère. Tu veux manger Garoub? On est d'avoir une veste carte. C'est quoi la taille? Excel. Bien, ouais. Oui, il y avait pas trop. C'était combien? Excel, hein. Je trouve que c'était vraiment pas cher, hein, le shop. Genre ça, 60 euros, tu vas jamais la péter à 60 euros. Ah non, tu me sens très bien. Merci, Sean. Ensemble, on va toujours. Pour Monroe. Ah, t'es chaud, frérot. Ah, t'es chaud. Ah, lourd. Je crois que c'est la première pièce où il y a un logo Adidas dessus. Moi, j'avoue, j'étais perplexe. J'étais Adidas, tout ça. En plus, on était juste à côté tout le temps. Ça veut dire que je savais pas quand je devais aller acheter le cadeau. Oh, la veste, elle est incroyable. La veste, elle est incroyable. Héros, c'est moi. Ah, alors c'est moi qui ouvre. Un cadeau à chasseur, en vrai, j'ai pas eu trop de difficultés. On est tombé chez Kara. C'est sa cam de ouf. Du coup, je me suis dit, Kara, qu'il avait que des pièces classiques. Il fallait que, genre, des pièces un petit peu qui sortent du lot. Oh, ah, de fou. Je l'ai cherché en plus. Je me suis dit, là, t'es en régime, tout ça. Non, c'est vrai. Et gros, je l'ai cherché en plus celle-là, je me suis dit XL si je la trouve. J'ai pris aussi un hoodie un peu coloré. Oui, non mais j'ai dit, moi j'ai triché. Deux pièces. Et en zippé en plus. Petit zippé, je me suis dit, j'ai hésité avec le turtleneck, je me suis dit. En vrai, t'as triché pour faire plaisir à un ref, c'est beau quand même. Je me suis dit, Elsie, il a pas beaucoup de Puma, tu vois. Je vais lui choisir une paire de Puma que moi j'aime bien de ouf. Ça me fait plaisir, j'ai beaucoup cherché la paire pendant longtemps. Puma Venom, il va trop bien t'aller. En vrai, tu sais quoi, j'ai déjà une paire Thomas. Mais en fait, je trouve qu'ils font des bons modèles ces derniers temps. Et je suis grave gâté. Je pense que c'est voilà. Du coup, ce que je disais, c'est que chasseur, il m'a encouragé à tricher. J'ai vu le pantalon il est incroyable. Il y a un complet avec, j'ai dit frérot, prends le complet, triche, vas-y. Cusmo, il est venu, il m'a dit, ah, c'est de la triche. J'ai repris l'item, j'ai été le poser. Et après, ok, attends. Et après, je suis parti à la caisse avec mon seul article, tout seul. Je me suis dit, c'est pas grave, Merli, je reste honnête. Et Cusmo, il m'a regardé tel un père qui regarde son enfant, il m'a dit, ah, vas-y, bonhomme, vas-y, prends-le. Donc, la triche a été validée. Ah, il est incroyable, hein, bordel. Et du coup, ah, il est d'or. Voilà. Et du coup, il manque une personne, un cadeau. C'est le cadeau que j'ai acheté en habit. Je pense qu'il attend avec impatience. Je sais pas s'il sait qu'il est intégré au truc, mais il va kiffer, je pense. Les BG, on est de retour au bureau et je vais enfin donner le cadeau de Nabi, le cadeau qu'il mérite. Il fallait que je me rattrape un peu, tu vois. Il a pas l'air convaincu et pourtant, je me suis donné mon ref. C'est quoi? On était devant la voiture, on a dit, ouais, on va faire les tirages au sort, ça. Et Sean, il m'a dit, non, faut que tu fasses cadeau à Nabi pour te racheter mon ref. Merci beaucoup. Il est en train de dire, ouais, c'est Sean un peu. Et là, c'est chasseur. Ah, donc c'est nul. Là, ok, c'est voilà. La boîte, elle est vide. Et tu vas porter ça, mon ref. Tu vas le porter. T'es malade de t-shirt. Je t'ai dit, à la canne, vous avez perdu, mon ref. Tu vas porter ça, tu vas venir au bureau avec. Le boulard, le boulard, le boulard.
le goulag. Wesh, wesh, wesh. Wesh, ça sert, frérot. Elle a nickel en feu. Ah ouais, ouais. Viens, on refait là.